Je vous propose une discussion sur le livre de la sagesse dont nous avons lu une partie précédemment. Alors, dans les Bibles protestantes, vous savez que ce livre fait partie des 6 livres qui ont été retirés de la Bible. Ces livres, qui datent bien sûr d'avant Jésus-Christ, qui faisaient partie du canon de la Bible, jusqu'en 1860, ont été retirés donc en cette année 1860 des Bibles protestantes. On est en droit de se demander tout d'abord pourquoi il a fallu tant de temps, plus de 1000 ans et loin au-delà, pour se rendre compte que ces livres étaient apocryphes. La réalité est que ces Bibles, ces livres, ces 6 livres, ne font pas du tout partie des livres apocryphes. Bien sûr, il y a des livres apocryphes et nous les connaissons depuis le début de l'ère chrétienne, écrits par des hérétiques comme l'évangile de Judas, l'évangile de Pierre et d'autres livres comme ceux-ci dont nous savons, dont toutes les églises du monde savent pertinemment que ce sont des livres apocryphes. Mais ces 6 livres, dont fait partie le livre de la sagesse, faisaient partie du canon de l'Écriture. Au début, les protestants les ont appelés deutérocanoniques, c'est-à-dire le deuxième canon de la Bible, un canon un petit peu moins important. Aujourd'hui, les protestants les appellent carrément apocryphes. Est-ce normal? Nous allons voir à travers l'examen de quelques passages de ce livre à quel point ces livres sont bénéfiques pour le chrétien qui les étudie. Loin d'être apocryphes, ce sont des livres de sagesse et de connaissance. Certains d'entre eux, s'ils n'ont pas été lus, interdisent même la compréhension du livre de Daniel. Par exemple, sur la venue de l'Antéchrist dont parle le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que chacun interprète le livre de Daniel à sa façon, alors que s'ils avaient lu ces livres inspirés, ils ne donneraient pas une interprétation équivoque, mais la réalité. Il est intéressant de noter aussi que les protestants sont minoritaires dans le monde. Ils ne représentent pas plus de 3 à 4% des chrétiens du monde. La majorité étant anglicane, catholique, bien entendu, romain, anglicane et orthodoxe. Ces églises-là possèdent ces livres dits deutérocanoniques, voire apocryphes par les protestants. Pourquoi cela? Nous allons examiner donc tous ces points aujourd'hui. Encore un détail, qui n'est pas un détail loin de là. Nous savons que dans l'Écriture sainte, les livres, les nombres, ont une importance symbolique. Le chiffre 7, par exemple, étant le chiffre de la perfection. Le chiffre 6 étant le symbole de l'imperfection. Nous savons tout cela, n'est-ce pas? Alors, le canon authentique de l'Écriture sainte comprend 72 livres. 72. Les protestants en ont donc retiré 6 pour arriver au chiffre 666. Pardon, je reprends ma pensée. 72 livres, ils en ont retiré 6 pour arriver au chiffre de 66. Surprenant, n'est-ce pas? Nos Bibles, une bonne Bible, contient 72 livres. 72 livres inspirés par Dieu, le canon de l'Écriture sainte. Alors, je vous le disais, nous allons examiner donc ce livre en détail pour savoir s'il est authentique ou non. Certains, vous le verrez peut-être sur Internet, prétendent que le livre de la sagesse n'est pas de Salomon.
Mais si vous lisez ce livre, vous verrez qu'il est textuellement écrit, que c'est Salomon qui l'a écrit. Quelqu'un qui écrit avec une telle sagesse ne peut pas mentir. Il dit la vérité. On ne peut être à la fois saint et prôner des paroles de sainteté et mentir dans le même texte. On nous dit aussi que ce livre aurait été écrit en l'an moins 50 ou voire en l'an moins 30. Mais comment cela serait-il possible puisque ce livre a été découvert dans les manuscrits de la Mer Morte et qu'il fait partie du canon de la Septante, c'est-à-dire la Bible d'Alexandrie, la Bible qu'étudiaient les apôtres et qu'utilisaient Jésus-Christ et ses apôtres, et qui a été découvert en 1948, dont la datation nous dit qu'il daterait de plus de 300 avant Jésus-Christ. Passons tout de suite à l'examen de ce livre. Prenons le premier texte, tiré de Sagesse, chapitre 1, verset 10, où il est écrit « Car l'oreille du Dieu jaloux entend toutes choses, et le tumulte des murmures ne lui est pas caché. » Il est surprenant de voir que l'apôtre Matthieu reprend ce texte, c'est Jésus lui-même qui reprend ce texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, verset 26, où il est écrit « Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Le prochain verset, Sagesse, chapitre 1, verset 11, nous dit Préservez votre langue de toute médisance, car pas une parole secrète ne sera perdue. » Et à nouveau, Jésus écrit « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Vous noterez tout au long de cette discussion que, bien entendu, ce n'est pas le livre de Matthieu qui a été écrit en premier, mais bien le livre de la Sagesse. Et que s'il y a reprise des paroles, elles sont faites par le Nouveau Testament et non pas par l'Ancien Testament. Passons à un autre texte, chapitre 2. Alors, je le rappelle, ou je le précise, nous n'avons marqué que quelques-uns des versets, car le temps nous est compté, bien entendu. Il est évident qu'il y a des dizaines d'autres versets que nous n'avons pas pu vous présenter. Sagesse 2, donc, versets 6 à 7. « Venez donc et jouissons des biens présents, disent bien sûr les païens. Hâtons-nous d'user de la créature pendant notre jeunesse. Enivrons-nous de parfums et de vins délicieux et ne laissons pas passer la fleur de la saison. » Ce texte, repris à la fois par Luc et à la fois par Corinthiens. Luc, chapitre 17, nous dit, c'est Jésus encore qui parle, « Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les filles tous périrent. » Et encore plus de précision ou d'approche dans 1 Corinthiens 15, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, comme le dit bien sûr le livre de la Sagesse, car demain nous mourrons. » Sagesse 2.9, que nul de nous ne soit privé de nos fiertés. Alors vous pourrez faire directement le rapport avec ces manifestations d'homosexuels dans les rues de nos jours, les fiertés. Et bien sûr, là, il s'agit d'un mot discret pour parler de leur sexualité, n'est-ce pas? Donc, que nul de nous ne soit privé de nos fiertés. Laissons partout des signes de nos joies, car c'est là notre partage, c'est notre sort. Et Philippiens,
reprend le texte en disant « Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. » Leur ventre, au sens sexuel, d'abord. Ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Sagesse 3, verset 7. Et au temps de sa visite, est-il écrit, ils brilleront. Et un Pierre nous dit, au chapitre 2, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Sagesse 2, 24 à 25. Mais la mort est entrée dans le monde par la convoitise du démon, et ceux qui sont de son parti sont ses imitateurs. Ici, nous avons deux aspects, comment la mort est entrée dans le monde et ce qui sont les imitateurs du diable, donc sont les, ceux qui sont donc les imitateurs du diable. Donc dans Romains au chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » Et un Corinthien, l'apôtre Paul toujours nous dit « Soyez mes imitateurs. » D'un côté, certains sont les imitateurs du diable, de l'autre, les imitateurs de Paul ou de Christ. « Soyez mes imitateurs, dit Paul, comme je le suis moi-même de Christ. » Sagesse 3, heureuse la femme stérile, elle aura sa récompense le jour de la visite des âmes. Et Galate nous dit, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. J'espère, vous aurez peut-être du mal à voir le texte écrit plus petit sur Sagesse 5. Je vous en fais la lecture. Alors le juste, il est évident qu'il s'agit ici du juste en général, mais aussi prophétiquement du juste qui allait venir. Si vous relisez personnellement le livre de la sagesse, qui amène une si grande sagesse, spirituelle et non humaine ou profane, vous verrez que chaque fois qu'il est question du juste, il est question de celui qui doit venir, à savoir Jésus-Christ. Alors le juste se placera avec confiance en face de ceux qui l'auront opprimé. À son aspect, ils seront troublés, pleins de crainte, stupéfaits de son salut inespéré. Ils se diront avec remords, gémissements, dans l'angoisse de leur esprit, « Voilà donc celui que nous tenions autrefois en dérision et en opprobre, insensé. Nous imputions à vie, sa vie à la folie, sa mort au déshonneur. Comment a-t-il été compté parmi les fils de Dieu? Comment son héritage est-il avec les saints? Nous nous sommes donc écartés de la voie de la vérité. La lumière de la justice ne nous a pas éclairés. Et le soleil ne s'est pas levé sur nous. » Dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 37, il est dit, et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Vous pourrez aussi examiner les livres de Révélation, de Jean, de Luc, sur ces questions. Si vous connaissez l'Écriture sainte, vous savez que ces textes sont repris de très nombreuses fois, de façon différente dans l'Écriture sainte, sur celui qui a été accusé, sur celui qui a été blasphémé et qui se tient devant eux maintenant, dans la gloire et dans l'honneur, pour leur déshonneur à eux. Sagesse 5, versets 18 à 19. Pour cuirasse, il revêtira, le juste bien sûr, pour cuirasse, il revêtira la justice, et pour casque, il se ceindra de l'intégrité de son jugement. Il aura la sainteté pour bouclier invincible. Et si nous prenons le livre, la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens,
écrite beaucoup plus tard, bien sûr, il est écrit. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez le bouclier de la foi, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Sagesse 5. La grêle tombera avec violence, telle une pluie de pierre. Les eaux de la mer tourneront contre eux leur fureur, et les fleuves déborderont en courroux. Contre eux se tiendra l'esprit de vertu, et il les panera comme un tourbillon. Et l'iniquité fera de la terre une solitude, et la méchanceté renversera le trône des puissants. Comparons avec Révélation. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. Et Jésus lui-même, qui dit en Matthieu, « Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Nous avons cité ici quelques textes. Nous ne pouvons pas tous les citer ce matin, nous allons passer directement à Sagesse 6, verset 18. L'amour de la sagesse, c'est l'observance de ses lois. Que nous dit l'apôtre Jean lui-même dans 1 Jean chapitre 5, verset 3 ? Car l'amour de Dieu consiste en effet à garder ses commandements. Sagesse 8, verset 13, nous dit par elle, j'aurai l'immortalité. L'évangile de Jean, au chapitre 6, Jésus nous dit que si nous mangeons la manne, et il parle de la même chose, bien sûr, que la sagesse, qui elle aussi parle de la manne, eh bien nous aurons l'immortalité. Dans Sagesse 9, Dieu de mes pères, Seigneur, qui par ta parole ou à travers ta parole a créé toute chose. Et Jean chapitre 1 verset 1 que nous connaissons bien nous dit « La parole était le principe de toute chose et la parole émanait de Dieu et Dieu était la parole. Celle-ci était le principe émanant de Dieu, c'est-à-dire la cause de la création de toute chose. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Sagesse 9, tu m'as dit de bâtir un temple sur ta montagne sainte et un autel dans la cité de ton temple, image du Saint-Temple que dès le commencement tu as préparé. Encore une fois, vous notez ici que le livre de la sagesse, Salomon, qui a construit ce temple magnifique, nous dit que ce temple n'est que le temple ou que l'image du temple spirituel plus grand que Dieu a décidé de créer. Comment d'abord pouvait-il savoir cela? Dans Jean au chapitre 2, verset 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le révélerai. » Sagesse 9. Nous avançons un peu, Sagesse 9, verset 13, car quel homme connaît le conseil de Dieu? Qui comprend ce que veut le Seigneur? Romains chapitre 11, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Nous pourrions citer ainsi de très, très nombreux textes. Nous passons directement à Sagesse 14. Chapitre 14, donc versets 6 à 7. Le bois par lequel justice est faite est béni. Waouh, quand on y réfléchit. Le bois par lequel justice est faite, la croix, tout comme l'arche de Noé, est béni. Et Colossiens nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.
Il y a de nombreux textes, bien sûr. Nous pouvons ajouter 1 Corinthiens, chapitre 1er, Galates, et bien d'autres textes encore. Passons à Sagesse, chapitre 16, verset 13. Car tu as pouvoir de vie et de mort. Tu conduis aux portes du séjour des morts et tu en ramènes. Salomon ici nous parle de la sagesse, c'est-à-dire l'image de Jésus-Christ conduit par le Saint-Esprit. C'est cela d'ailleurs, tout le secret du livre de la sagesse. C'est que la sagesse y est personnifiée, image de Jésus-Christ, image du Saint-Esprit qui va le conduire. Et donc dans ce livre de la sagesse, dans ce passage, il est dit que la sagesse, c'est-à-dire Jésus, conduit aux portes du séjour des morts et en ramène, et qu'il possède le pouvoir de vie et de mort. Et que nous dit l'apôtre Paul? Il nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Nous allons aller tout de suite, nous allons arrêter l'examen des comparaisons qui pourraient être, nous l'avons dit, si nombreuses entre ou des reprises par le Nouveau Testament des textes du livre de la sagesse écrit par Salomon. Mais je voudrais attirer maintenant votre attention toute particulière sur la sagesse au chapitre 2. Alors nous allons revenir en arrière. Si vous avez une Bible qui comprend ce livre, n'hésitez pas à revenir au chapitre 2 de la sagesse. Et je voudrais vous montrer comment ce livre est prophétique et rempli d'Esprit Saint. Tout comme David et ses écrits étaient remplis du Saint-Esprit, de la même manière, Salomon, au début de sa vie, tout au moins, non pas à la fin, je veux dire, était rempli du Saint-Esprit et de prophétie. Donc, Sagesse 2, à partir du verset 12. Écoutez bien. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il est question ici de ces hommes pervers et mauvais qui veulent tendre un piège aux justes. Il est question, bien entendu, nous allons le comprendre à travers cette lecture, des pharisiens. C'est le raisonnement des pharisiens contre Jésus-Christ lui-même. Si vous écoutez bien, vous allez discerner à travers cette lecture Jésus-Christ. Nous sommes, nous le rappelons, des centaines d'années, c'est-à-dire à l'époque de Salomon, pratiquement 1000 ans avant que Jésus-Christ ne vienne, pour ne pas dire d'ailleurs plus de 1000 ans. Tendons des pièges aux justes, car il nous est important. Il est contraire à nos œuvres, il nous reproche nos manquements à la loi, n'est-ce pas tout ce que faisait Jésus-Christ? Il nous diffame en décriant notre conduite, il assure qu'il a la connaissance de Dieu, et il, notez bien, et il se nomme le Fils de Dieu. Mais comment Salomon pouvait-il savoir cela? Il est pour nous un blâme vivant de nos pensées. Il nous est odieux, même à voir, parce que sa vie n'est pas comme celle des autres et que ses sentiers sont différents. Nous sommes estimés par lui de mauvais aloi et il se détourne de nos voies comme de choses impures. Il déclare « Heureuse la fin du juste » et il se glorifie, notez bien, et il se glorifie d'avoir Dieu pour père. Voyons s'il y a quelque vérité dans ses paroles. Éprouvons les choses par sa fin, comment dit, par sa mort. Car si le juste est fils de Dieu, Dieu le protégera et le tirera des mains de ses adversaires. Rappelons-nous ce que disaient les pharisiens, s'il est fils de Dieu, qu'il descende de la croix. Interrogeons-le dans l'outrage et la torture, afin que nous connaissions sa douceur et que nous jugions de sa patience. N'est-ce pas là une prophétie tout à fait extraordinaire sur le Christ lui-même?
Comment Salomon pouvait-il connaître ces choses? Lisons l'évangile de Luc au chapitre 11. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser, donc à Jésus-Christ, violemment, et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Et dans Marc, au chapitre 27, verset 39 et suivant, il est dit, « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié dans Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Voyez ce livre, écrit par Salomon, ce livre de la sagesse, est un livre tout à fait extraordinaire, à la fois prophétique, et nous remarquons, nous avons remarqué tout au long de cet exposé, combien de fois le Nouveau Testament, mais nous n'avons pas parlé des reprises du Nouveau Testament. Beaucoup d'auteurs après lui reprennent presque trait pour trait, mot pour mot, les paroles de ce livre extraordinaire de la sagesse. Pourquoi ce livre a-t-il donc été retiré des livres des protestants? Nous notons que ce n'est pas les catholiques, les orthodoxes ou autres, ou d'autres églises protestantes qui ont gardé ces livres d'ailleurs, car toutes les églises protestantes n'ont pas retiré le livre de la sagesse, ces 6 livres du canon biblique. Non, non, loin de là. Pourquoi donc l'avoir retiré? Car, je le répète, ce n'est pas les catholiques, les orthodoxes, les protestants et les autres qui ont supprimé, ou qui ont ajouté plutôt, ce livre. Ce sont les protestants qui l'ont retiré. Le canon biblique était fixé et les protestants de Genève, ça a commencé avec les protestants de Genève en 1862, qui ont retiré ce livre. Alors que la parole de Dieu nous dit, celui qui aura ajouté ou retranché une parole, ne serait-ce qu'une parole, là, un livre. 6 livres retirés de l'Écriture sainte. Pourquoi ont-ils retiré ces livres? Parce qu'ils ne comprenaient pas tout le sens symbolique caché dans ce livre de la sagesse. Toute la sagesse contenue dans ce livre de Salomon. Une sagesse toute pratique qui, si nous l'appliquons, nous permet dans notre vie de vivre réellement en chrétien, rempli de sagesse, un homme de maturité, qui évite les faux pas. Nous vous suggérons ardemment, devant Dieu, de lire par vous-même ce livre de la sagesse. Et non seulement celui-là, mais les 6 livres qui ont été retirés par les protestants. Et si vous priez, le Saint-Esprit vous montrera toute la beauté et la grandeur de ces livres qui ont été retirés de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen.